bienvenue pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas de démarrer le chronomètre. Start. On va jouer à I Wanna Be The Guy. On est sur cette espèce d'écran qui... Ouais, donc ça semble logique. A l'air d'être un petit labyrinthe et le laser nous tue. Donc en plus de trouver le bon chemin du labyrinthe, il faut ne pas se coincer. Mais comment je peux l'utiliser si tu... Ok. Ouais, mais là je suis coincé, vous voyez. Donc, ah bah on peut tout prévoir là et genre juste le faire à un coup final en fait. Ah, mais je serais coincé quand même. Bon, on va essayer déjà. Donc là, ça fait ça. Ça fait ça. Donc là, ça sert à rien. Donc là, ça monte. Là, ça touche celui-là. Ça touche celui-là. Ça revient là. Tac. Là, ça va là. Ça va là. Ça va là. Ok, ok, ok. Tac. Tac. Comme ça, ça touche celui qui est là-bas. Alors là, on a deux choix par contre. Là, on a deux choix. Donc, attendez. Là, regarde bien. Tac, 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 tac. Et là, il y a deux choix. Soit tac, 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 tac. Ah bah, ça revient pas au même. Mais là, je suis coincé. En fait, il faut faire le chemin inverse. Tout bêtement, on se casse la tête. On va faire le chemin inverse. Pour que ça arrive là, ça vient de là. Lui, ça vient comme ça. Lui, ça vient du haut. Normalement, c'est bon. Regardez bien. Bam. Yes. Tadam. Success. J'ai bien aimé cet écran, écoutez. Mais j'ai rien à faire. C'est genre activé là, c'est ça? Ah ouais, c'est activé, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est validé, c'est validé. Bon, j'ai bien aimé cet écran, dis donc. J'ai fait un écran en mourant que 3 fois. Ça c'est fort quand même. C'est très fort. Je suis fort. Attends, on va regarder si c'est un peu à gauche là. Oh, c'est encore des trucs avec des lasers. Ah, ça se trouve en bas, il fallait que j'ai fait les deux. Du coup, ça, voilà, super. J'ai de la chance. Alors déjà, il y a 3 lasers qui partent. Mais il n'y a que 2 réceptacles. Mais comment je remonte, là? Oh, oh, Axe! Je crois pas que c'était prévu, ça. Regardez, je passe derrière le truc, là. Incroyable. Le mec a trouvé une astuce. Ah mais là je suis coincé quand même. Ah c'est dur hein. Clac, voilà. Donc en fait, celui-là il ne sert à rien, celui du milieu. Donc celui-là, si on peut trouver un moyen de le couper. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, tout a l'air de bien aller. Je vais donc déjà faire celui-là. Voilà. Facile. Yes. Yes. Il y avait quoi au-dessus là déjà? Ah oui. Ah, ça va peut-être activer l'ascenseur. Pas bête. Puis là, il n'y a pas de piège, là. Limite, là, on a un épisode assez tranquille. Et ça fait un peu du bien, aussi. Là, j'ai vraiment du mal à croire qu'il va pas y avoir un truc qui va nous presser en revenant. Oh non, ça continue. Il y en a 3, quoi. Oh là là. Déjà, mission 1. Couper les lasers. Ok, donc là, j'ai juste à tourner celui-là. Et c'est bon. Il va aller jusque celui-là. Et celui-là, il va aller jusque celui-là. Oh putain, comment je tire dessus celui-là? Oh.
Ouf. Je pense qu'il était fait exprès celui-là qu'il fallait le retourner. Ok. Alors là, ce qu'il faut, c'est maintenant les mettre dans le bon sens pour ne pas se bloquer. Après, je fais celui-là et après, je vais là. C'est parti, c'est parti. Voilà. Alors, faut que je fasse celui-là d'abord, hein. Ah non, c'est bon, il tourne dans le bon sens. Le génie! Nice. Nice. Ça aurait été un épisode un peu puzzle. Et voilà, j'ai activé les trois trucs. Toujours pas de piège ici, écoutez. Tant mieux, tant mieux. Je sais que pour vous, c'est plus embêtant, mais... Moi, je suis bien content. C'est officiellement l'épisode d'I Wanna Be The Guy. On aura eu le moins de morts de toute l'histoire. Et l'ascenseur fonctionne. Marche, fonctionne, c'est pareil. Oh, oh. 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 Yes. Ouh, c'est un boss quoi. Tout en camon. Allô? Qu'est-ce que c'est? J'imagine bien qu'il va avoir 40 barres de vie, c'est ça, hein? Oh là là, j'avais tellement bien géré du premier coup. J'avais tellement eu de chance, en fait. C'est pas pareil! Ah, genre ça change! J'ai regardé Dan Ferek, celui qui a fait ce jeu. Je crois qu'il a un auto-shooter, hein. Je vous jure que c'est vrai. J'ai vu le mec, les dégâts qu'il a fait sur le boss principal, c'est pas normal. Attendez, j'ai changé ma disposition des doigts sur le clavier alors. C'est long. Ouais, bah je dois le buter, je pense. Hein. Toujours l'inverse de celui que je fais, quoi. Oh! Mais c'est méga dur! Puis je pensais pas faire un boss aujourd'hui, là, en vidéo. Hein. Ouais, quand je suis en dessous, ça passe pas, faut que je saute. Mais enfin! Le cycle fait qu'en fait, c'est différent au bout d'un moment. What? I'm sorry? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais non, mais attendez, mais en tout cas, ça me tue le doigt de jouer en sans auto-shooter. C'est vraiment un tel confort. Je comprends pas pourquoi tous les fangames n'ont pas un auto-shooter. On va arrêter là pour aujourd'hui. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bien plus!